Pardonne-moi, mon frère. Je ne voulais pas en arriver là, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Ne fais pas ça ! Aïra ! Aïra ! Messire Ardyn, le professeur Bessitia demande à vous voir. Eh bien salut tout le monde, c'est FullGameSet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 2 de Final Fantasy XV, épisode Ardyn, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Dans l'épisode précédent, nous avons eu un petit récapitulatif de manière très rapide du prologue, c'est pour ça que je vous recommande de voir le prologue avant toute chose, histoire que vous ne soyez pas perdus. Donc pour faire simple, nous étions en 1666 je crois à l'histoire d'origine de FF15, donc avec Noctis et tout ça. On est allé 30 ans en arrière, donc c'est-à-dire à la cérémonie du premier roi, donc Somnus, qui est le frère cadet de Ardyn. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi c'est le frère cadet d'Ardyn qui a été nommé roi et pas lui. Normalement, vous avez vu le prologue, donc je vous laisse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, hein, très clairement. Ça sera toujours ça d'appris, on va dire. On a fait la connaissance de Aera... Millet ou Murette, Fleurette, donc la petite amie tout simplement de Ardyn par le passé, vraiment des millénaires. Et nous sommes donc en 722, et il y a un an, 721, Verstyle Bessitia, donc le scientifique qui a créé les machines, l'armée impériale, a retrouvé Ardyn, suite à, je pense, il avait appris des informations. Donc on est un an après, nous sommes au centre de recherche Magitech, donc... Voilà Ardyn, personnellement j'adore, j'aime beaucoup le fait de jouer un méchant, et j'ai très facile de l'empathie pour lui. Hein. Journal de Verstel 2477. Alors, pour cette fois-ci, oh pas mal l'image de... Pour cette fois-ci, je vous recommande à ce qu'on... Faut enregistrer, à ce qu'on lise les archives. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... mon avis, il n'y a pas de document audio, donc là je pense qu'il y a moyen de les lire. Épée de Rakshasa, c'est quoi ça? Ah, c'est l'épée d'Ardyn, ok. L'épée de Rakshasa est une arme que seul Ardyn est capable d'invoquer. Elle est forgée en même temps que le sabre du mystique. Ouais, elle a une forme du sabre du mystique quand même. L'épée de Somnus, Lucis Kaelum, il y a environ 2000 ans de cela. Bien que ressemblantes, les deux lames possédant des propriétés différentes, elles dévoilent tout leur potentiel dévastateur lorsqu'elles sont utilisées ensemble, ce qui les laisse supposer qu'elles ont été fabriquées dans l'espoir que les frères Kaelum régneraient en tandem. Très bien. Alors, journal de Verstyle Bessitia, 7-4-716, donc on est à peu près 6 ans avant que Verstyle découvre Ardyn. Les démons. Je n'étais qu'un enfant alors... c'est bon, c'est qu'une seule page. Je n'étais qu'un enfant quand j'ai vu mon premier démon, un mammifère de la race des canidés infecté par les plasmodiums. Je n'ai oublié ni la peur ni ma qui m'a envie à cet instant, ni l'intense excitation qui s'est emparée de moi. J'étais subjugué par ces êtres invisibles, ce miaste ténébreux, qui se répandait à travers le monde, effaçant toute trace de vie ou de lumière. Certains disent que je suis fou d'étudier un mal qui n'apporte que la mort. Cependant, que ce ne soit la technologie magitech en son temps ou les démons à notre époque, comprendre ce que nous craignons est une étape essentielle vers la connaissance. Bon, ça on comprenait déjà que Verstyle Bessitia était un peu taré dans son genre. Donc voilà, on en a beaucoup des documents, hein, donc à mon avis ça va être un DLC qui va prendre un petit moment. Je rappelle que je vais prendre clairement mon temps pour le faire. Je veux vraiment découvrir en majeure partie ce que je peux. On va tout prendre. Belle collection de livres inutiles. Ok.
Alors, journal, donc là on est 3 ans après, donc on va écouter, on va les lire. Hein. Je vous l'ai dit, on va beaucoup naviguer, je pense, si on doit tous les lire. Journal, c'est en 2 pages. Le mal de la planète. Les parasites qui ravageaient notre planète 2 millénaires plus tôt ont disparu pendant un temps. Et avec eux, tout le savoir concernant les monstres qu'ils engendraient pourtant. Depuis la découverte du plasmodium mutant chez nous, ce mot inquiétant a réintégré notre vocabulaire, démon. Qu'est-ce qui a fait ressurgir ce fléau? Je suppose que cela a commencé avec l'explosion démographique de la seconde moitié de ce millénaire. L'adoption de la technologie magitech a considérablement amélioré le niveau de vie des citoyens de l'Empire. Mais l'expansion territoriale qu'elle a engendrée a peut-être aussi réactivé des parasites endormis pendant de nombreuses années. Si tel est le cas, la propagation du mal de la planète pourrait bien se poursuivre et s'accélérer dans le futur. Bon là, on leur explique les causes un peu de cette maladie et dont Hardin était le seul à pouvoir les guérir. Allez, on va avancer. Normalement, j'ai rien loupé. Non, c'est bon. Allez, on est parti. Il y en a beaucoup des bouquins. Ah, bonjour messieurs, est-ce que je peux te parler? Non. Ok. On n'a rien là, on n'a rien là. Je peux pas sprinter, hein, je peux juste trottiner. Oh, je me sens si à l'étroit dans ces vêtements. Ah bah c'est sûr que 2000 ans se sont passés, t'as beaucoup loupé de choses. Hein. Ce paysage est d'une tristesse. Ah bon? Moi je trouve ça plutôt beau. C'est... Bon c'est vrai que c'est isolé. Hein. Fortifiant musculaire, bon là tout de même on va être dans la peau du méchant, donc on va avoir toute sa vision monstrueuse. Journal, oh putain on va en avoir beaucoup. Archive, Versa Albicitia. Donc là, on est, je pense, à la date où on a trouvé Hardin, je pense. Oula. Bien que j'ai longtemps considéré qu'il s'agissait d'un mythe, la récente découverte d'un texte ancien niché dans l'une des tombes royales du Lucis a fini à me convaincre. Adagium est réel. C'est quoi Adagium? Ça, sincèrement, je sais pas du tout ce que c'est, Adagium. Si ça se trouve, c'est le surnom de Hardin, peut-être. Donc là, à mon avis, ça doit être le moment où il a découvert l'existence d'Hardin, en tout cas. Selon l'ouvrage, cette entité ténébreuse vivrait recluse de l'île d'Angegar. Donc, ok, Adagium, c'est nous. Ok, c'est notre surnom. Depuis près de 2 millénaires, les Luciciens redouteraient-ils sa présumée force surhumaine et les hypothétiques dérapages qu'il pourrait provoquer? De mon point de vue, ce serait un gâchis sans nom de ne pas l'exploiter un tel pouvoir. L'absence de progrès tangible dans la production des soldats magitech et de nos recherches sur les démons nous ont valu les colibés les plus méprisants des militaires. Mais si nous parvenions à mettre la main sur ce monstre immortel et à l'exploiter ses secrets, nous pourrions vite gagner leur respect. Ah, d'accord. Donc là, il a appris qu'il y avait un être puissant, donc nous à savoir. Donc, ok, donc je pense que le prochain document, c'est en gros, il nous a trouvés. On va aller là. Ok, je veux pas aller. Très bien. Est-ce que je peux... Bon, on va pas voir la carte. On va garder la surprise. Ah, prendons place. Tu ne manges pas? Alors, comment te sens-tu? Mal. Oh, tu te réveilles d'un long sommeil. Tu as encore besoin de temps. Profitons de ce bon repas pour discuter ensemble. Ah oui, il y a vraiment le visage de Prompto derrière quand même. Les analyses ont donné les résultats... Que demandez-vous? Quel est ce plat? Mets fin à la conversation. Depuis quand suis-je ici? On va lui dire ça. Est-ce que tu sais depuis combien de temps je suis ici? 204 jours exactement. Soit un peu moins de 7 mois. Mais avant cela, les Lucisiens t'ont condamné à l'exil sur cette île, où tu es resté prisonnier pendant près de 2000 ans. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps. Ton frère,
Tu dois le détester après ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas parler de ça. La musique est très belle au passage. Quel est ce plat? Ok. Je vois pas la raison de cette phrase. Plat? C'est de la viande issue de bêtes clonées. De bêtes clonées? Oui, le clonage reproductif est un processus très simple. Il suffit de prélever le noyau de la cellule somatique adulte du premier individu, puis de l'injecter. C'est bon, ça suffit. Je comprends rien à tout ce charabia. D'accord, ok. Voilà, on va donner ça. Les analyses ont donné des résultats. Sais-tu ce qui m'arrive? Les données que j'ai collectées sont complètement différentes des autres démons. Je comprends pourquoi ils gardaient ton existence secrète. Tu es le premier humain à ma connaissance qui détient le pouvoir des démons. Et je dois dire que c'est fascinant. Ton corps assimile ces parasites qu'il transforme en énergie pour vivre. Mais en plus d'auto-régénérer ses cellules, il peut aussi contaminer les autres êtres vivants et les changer en démons. Ce qui fait de toi... un monstre. Non. Je pensais plutôt à un surhomme. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Pourquoi est-ce que tu cherches à m'aider? Tu m'as dit que les dieux t'avaient choisi pour être leur serviteur ici-bas. Mais tu es bien plus que ça. Ouais, pour moi, tu es une sorte de dieu. Nous avons besoin de tes pouvoirs surhumains pour parvenir à nos fins. Si tu acceptais de nous prêter main forte, nous pourrions mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. L'effondrement du Lucis. Tu admettras que l'idée a de quoi séduire, non? Tout ça, c'est du passé. Même si ton frère est déjà mort, sa lignée n'est pas encore éteinte. Après tout ce que tu as enduré, tu as forcément envie de te venger. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tuez-moi donc. J'adore l'ampleur. J'adore la mise en scène. C'est... franchement, j'ai hâte de voir la suite, mais si c'est vraiment aussi bien scénarisé, bien structuré comme ça... déjà que j'avais bien aimé le DLC de Ignis, je crois que je vais vraiment surkiffer celui d'Ardine. Je crois que je vais vraiment le surkiffer. J'adore la mise en scène et l'ampleur que ça donne. On est vraiment dans la mentalité du personnage de Ardine et j'aime beaucoup. Ceci est le fruit de mes recherches. Enfin, une petite partie du moins. Je t'envie beaucoup, tu sais. Le savoir de l'humanité est tellement dense et riche qu'une seule vie ne suffit pas pour tout obtenir. Libre à toi de jeter un œil. Ok. Alors, on va jeter un... on va fouiller un petit peu. Je vois qu'il y a plusieurs objectifs. On va récupérer tous les journaux et on va tous se les lire. Il y en aura de la lecture, il y en aura. Mais je pense que c'est utile. Ok, je peux camper. Est-ce que je vois? Ok. Regarde bien où tu mets les pieds. Hop, on va récupérer tous les journaux, clairement. Et après, on va fouiller. Je vous rassure, on va fouiller. Ok, donc là, il n'y a rien. Attends, c'est quoi ça? Ah, il y a des choses ici. Il y a des choses. Ok, on peut se reposer si on le souhaite. Là, c'est quoi? C'est un document que je vois par terre? Non, c'est pas un document. Ah là là, j'adore. J'adore ce type de mise en scène. Avec beaucoup d'énigmes, beaucoup de sérieux, c'est... putain, on en a du journal, hein. Oh la vache. On aura des choses à lire. Rassurez-vous, on va lire tout ça, je vous le dis, hein. Je suis à fond dedans. Donc, si vous voulez pas lire, m'entendre lire les notes, vous pouvez passer un peu. Hein. Journal. Donc en gros, ça c'est les archives, en gros, pour faire simple. Ok, alors attendez, je vais juste voir la carte. Un irradic... irradiateur du rayon UV, d'accord, c'est quoi? Réplique de démon. Ah, c'est des tests. Dioramadeos.
Eos qui est la grande déesse, hein, je rappelle, la prophétie. Ok. Alors attendez, on va faire dans l'ordre. On a récupéré les archives, on va relire ça. Alors on avait vu ça. Oh là 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 là. Putain, ils pouvaient pas mettre ça dans les ordres de date quand même, tout ça. Bon, le vin. Après avoir obtenu un renseignement confidentiel d'un ami, un ami entre guillemets du secteur privé, nous avons envoyé une équipe de fouilles du volcan de Ravatog. Ah, ce fameux volcan, je m'en souviendrai. Contrairement à l'archéen au disque de Cotès, donc Titan, je rappelle que c'est Titan, le corps du calcinateur devrait pouvoir être dégagé et transporté. À supposer que nos hommes puissent atteindre le sommet, il va sans dire. Selon la légende, c'est Ifrit qui aurait fait don au feu aux humains et la maîtrise de cet élément serait à l'origine de la fondation de la civilisation de Solheim. Donc je rappelle, ça c'était il y a longtemps qu'on l'avait appris. Il y a longtemps, les dieux avaient créé le monde et Ifrit avait donné le feu, donc la civilisation. Bien évidemment, comme nous, le feu était la première technologie des hommes. Et Solheim était la première civilisation. Et le problème, c'est que Solheim, les humains, en ayant cette civilisation, ont voulu atteindre les dieux. Ça ne les a pas plu, ça a causé la guerre, et Ifrit s'est mis en colère. Voilà, tout simplement. Selon la légende d'Ifrit, voilà, je dois avouer que j'ai du mal à contenir mon enthousiasme quant à l'idée de faire mon premier pas vers le monde des dieux. Quelle journée fantastique. D'accord. 715. Mettez-vous en tête qu'en 721, c'était où Bicitia a découvert Ardyn. Hein. Le draconéen, ça doit être à Bahamut à mon avis. Attendez, c'était quoi le titre de l'autre? Le volcan de Ravatog, ok. Alors, on ne sait que très peu de choses au sujet du draconéen, donc à Bahamut, hein, très clairement. Contrairement à ses semblables, il n'est ni rattaché à une terre, ni vénéré comme un dieu par le peuple. Le draconéen n'est qu'un nom mentionné dans les écrits. Certains légendes suggèrent qu'il a choisi un roi pour diriger le Lucis et confier à l'élu. L'anneau légendaire et le cristal. De mon point de vue, cela ressemble tout à fait au genre du récit que la famille royale pourrait inventer pour justifier son emprise sur le pouvoir, mais nous pouvons peut-être approfondir la question en redonnant visite aux ténébras. Ok, donc là, très clairement, c'est vrai que quand on regarde Bahamut, la forme qu'il a et l'ampleur qu'il a, très mystérieux, il a quand même un côté divin, mine de rien, je trouve. Rappelez-vous, quand on a affronté Ifrit, Bahamut s'est interposé au combat, c'est lui qui nous a parlé quand Noctis était dans le cristal, donc il y a plein de... A mon avis, c'est lui le... Je peux pas dire que c'est Eos même, parce que Eos, tu es représenté comme une femme. Donc, à mon avis, c'est, on va dire, un des plus puissants... 6. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Les 6 sont les dieux. Je rappelle que les 6, il y a Shiva, Ifrit, Bahamut, Titan, Léviathan et... Merde. Eos, je crois, tout simplement. Je crois que c'est Eos. 28.015, ok, on va lire ça. J'ai fait une découverte, alors c'est quoi là? Un demi-dieu, j'ai fait une découverte à la fois... Ah, ça c'est nous ça, ok. J'ai fait une découverte à la fois surprenante, déconcertante, le monstre appelé Adagium n'est autre qu'Ardyn Luciscaemunum, le frère aîné du roi fondateur du Lucis. Les mots ne peuvent décrire le sentiment qui m'a envahi quand j'ai réalisé que je pouvais dialoguer avec une créature ayant vécu des millénaires. Ses pouvoirs ne cessant de m'étonner, non seulement il peut aborder le miasme démonique dans son corps, mais il peut également infecter les autres. Il affirme également être capable d'assimiler les souvenirs. Ça, on l'avait vu dans l'épisode précédent. Des individus qu'il contamine. S'il dit vrai, alors cet homme a été baigné à la fois par la vie éternelle et par un savoir illimité, ce qui fait pratiquement de lui un dieu. C'est vrai que les dieux ont fait cadeau de son pouvoir lui permettant de sauver les humains. Ça a été dit dans l'épisode précédent. Pour combattre le pouvoir du roi de Lucis. Les soldats du Lucis empruntent le pouvoir des rois pour se battre. Ça, on le savait. Ça, c'est dans Kingsglaive. Là, par contre, si vous n'avez pas vu le film, revoyez-le. Mais ça a été un peu énoncé aussi. Et il y a fort à parier que cette tendance s'accentuera dans les années à venir. Il apparaît donc logique et crucial que nous mentions au point une technologie pour inhiber leur capacité. J'ai beaucoup réfléchi et même s'il nous faudra encore du temps avant d'en voir un prototype fonctionnel, nous devons d'ajouter un dispositif de brouillage à notre arsenal magitech. Avec de nouvelles données de combat, surtout des données relatives aux divins, nous pourrions accélérer le processus de développement. Quel ravissement ce serait de pouvoir tuer un dieu en utilisant la forme d'un de ses messagers. Pourquoi pas celle d'un serpent? D'accord.
Donc à mon avis, ça doit faire référence à Hardin. Très clairement, parce que je crois que ça, c'est de la même époque. Non, c'est même pas ça. Ok, je me suis trompé. Combattre le pouvoir. Ok, ça on l'a lu. Attendez que je me pierre pas. Hop. Le dragon de Taelpar. Ok, Taelpar, ça me dit quelque chose. Je crois là. Non, je sais plus. L'expédition que nous avons envoyée au ravin de Taelpar est revenue avec un rapport fascinant. Leur vaisseau a été assailli par un dragon ailé dès leur entrée dans la vallée. On avait affronté un dragon dans l'histoire principale, je m'en souviens plus. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de lectures, mais je pense que là il y en a clairement besoin. C'est marrant, mais j'ai pas souvenir. Le seul dragon que je vois, c'est Bahamut au pire, mais on l'a jamais recroisé dans l'histoire. L'aigle, mais c'était un boss secondaire, et Léviathan, c'est tout ce que j'ai. J'ai Léviathan en tête parce que c'est un serpent, mais c'est plus un serpent des mers qu'autre chose. En parcourant ces lignes, je me suis remémoré une histoire que j'ai lue un jour au sujet du légendaire maître d'armes et de son fidèle dragon. Si la créature de nos hommes est rencontrée et celle de la fable dont les mêmes sont les mêmes, cela voudrait donc dire qu'elle protège cette gorge depuis près de deux millénaires. Et si l'une des légendes luciennes s'est révélée vraie, alors peut-être que les autres sont plus que de simples mythes après tout. Même les récits concernant cet être immortel. Alors est-ce que ça fait référence à Bahamut plus... Oh putain, il y en a beaucoup, j'avais pas fait gaffe. J'ai Gilgamesh en tête, parce que rappelez-vous, à l'époque de Somnus, Gilgamesh était le garde rapproché. Hein. 24 messagers divins. Oh putain, on est loin hein, niveau époque. Hein. Ça aurait été plus intéressant de les mettre par ordre quand même de date quand même. Peu de textes mentionnent les 24 messagers divins, mais les membres de l'expédition qui enquêtaient aux alentours du ravin de Taipor ont réussi à obtenir des informations à leur sujet par le biais de bouche à oreille, d'accord. Ce que nous avons compris, les messagers se seraient battus aux côtés des divinités qu'ils seraient pendant la guerre. Qui servait pendant la guerre divine, d'accord. Donc ça, c'est, rappelez-vous, la guerre divine, c'est quand Ifrit a pas du tout aimé que les premières civilisations, civilisation de Solheim, savez-vous, elle a été détruite par les dieux, par la colère d'Ifrit. Donc ça, à mon avis, c'est les messagers, donc ça doit être des genres de demi-dieux, on va dire. Cependant, la plus grande partie d'entre eux se serait rangée aux côtés d'Ifrit, vaincue par les pro-humains. Les traîtres ont été effacés de l'histoire, expliquant ainsi pourquoi on ne retrouve aucune trace d'eux dans les récits. Dans les écrits, ça c'est intéressant à savoir. C'est vrai que Solheim, on n'en a entendu que parler de la part de Shiva lorsqu'on l'avait parlé avec elle dans le train avec Noctis. On ne sait que très peu de choses sur ces créatures fascinantes, mais je suis déterminé à en apprendre davantage. Ça se trouve les messagers, ce sont du genre les Cerbères, Omega. Ça, à mon avis, ça doit être cela. Bien. Ah bah écoutez, on en a eu des choses. Alors on va lire. Oh, il y a un tableau sympa ici. On va lire ça. Examiner. Oh putain, cosmologie. Les personnages au centre de ce tableau sont sans doute des guerriers du Lucis, et dans leur dos, les silhouettes des anciens rois. Le tout premier roi de la lignée s'appelait Somnus Lucis Kaelum. Qui aurait cru qu'il avait un frère aîné? La scène semble représenter la légende du roi élu destiné à bannir les ténèbres. En supposant qu'elle dise vrai, cela signifierait-il que le Lucis aurait le pouvoir de dominer le monde? Ce n'est qu'une croyance populaire parmi tant d'autres. Seule la technologie de notre empire peut prétendre à ramener l'équilibre dans le monde. D'accord. L'oracle. Le personnage placé tout en haut du tableau est certainement l'oracle. La lignée des oracles est l'une des plus anciennes, remontant à Aera Myrus Fleuret, la première femme qui a assuré cette fonction sacrée. D'accord. Seuls les oracles peuvent communiquer avec les dieux. D'accord, ça on l'avait compris. Elle ressemble elle-même à une déesse porteuse de lumière. Reste à savoir si c'est une ennemie. Une alliée potentielle de notre empire. Moi quand j'entends Nox Fleuret, j'entends clairement le Ténébrae. On voit les dieux sur la gauche et la droite du tableau. On remarque cependant qu'il manque Ifrit le calcinateur, le responsable de la guerre. Voilà, ça on l'avait compris ça. Après mes découvertes sur les démons, je percerai peut-être un jour le mystère des formidables pouvoirs dont sont dotés les dieux. Ou mieux encore, je trouverai un moyen de combiner les deux. D'accord, les démons. Les créatures représentées sur la partie basse du tableau sont probablement des démons. On peut peut-être nous dire qu'ils seraient capables de provoquer la fin du monde. Au lieu de les tuer, nous devrions tâcher d'exploiter leur puissance. D'accord, bon. Les dieux et les rois du Lucis. Alors comme ça, ils se sont associés pour chasser le mal. Hmm.
Ah, ça va peut-être amplifier sa colère. On a une carte. C'est à ça que ressemble notre... Waouh, putain, il y en a beaucoup. Oh. Attends, ça va expliquer chaque recoin. Bon, écoutez, on est parti, hein. Ah, ça va être... Je sais que c'est pas l'épisode le plus passionnant, je suis fort désolé, mais là... La formation de la planète, ça c'est intéressant. On estime que la formation de la planète Eos remonte à environ 4,5 milliards d'années. D'accord. C'est tout ? Bon, ça va être rapide alors. Les l'apparition des dieux. Ah. Alors attendez que je voyais. D'après les légendes, les 6, les dieux protecteurs d'Eos, okay, seraient apparus à l'époque de l'antique civilisation de Solheim. Ça, ok, ça on le savait. D'accord. La naissance de l'homme. C'est dans la région de Pistala qu'ont été découverts les plus anciens fossiles d'Homo sapiens, l'ancêtre du genre humain. Oui, ça on comprend. D'accord, donc ça, en gros, si c'est cela, ça veut dire, en plus de Mosaspion, ça doit être la première civilisation Solheim. Le don du feu. Les humains ont utilisé le feu pour la première fois à l'aube de la civilisation de Solheim, dans la région de Sukarp. Selon la légende, c'est Ifrit qui aurait fait don du feu aux humains, devenant ainsi le souverain du royaume de Solheim. D'accord. Ça fait vraiment énormément écho à la Bible, à la mythologie grecque, il y a plein de choses qui se relient. Mais beaucoup à la Bible, surtout. La civilisation des machines de Solheim serait née dans la zone correspondant aux régions de Duskae et de Klaigne. Les dates de cette civilisation restent néanmoins obscures et sont actuellement le sujet de nombreuses recherches. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on trouve des... Qu'on trouve des ruines, peut-être. La guerre divine et l'effondrement de Solheim. Une grande vallée, aujourd'hui appelée Ravin de Taelpar, délimite naturellement les deux régions de Duskae et de Klaigne. C'est à cet endroit que la grande guerre des légendes aurait éclaté entre les dieux. Elle aurait opposé Ifrit, qui voulait anéantir les humains par le feu, aux autres dieux, et serait la raison de l'effondrement de la civilisation de Solheim. Ça, on le savait déjà. Bon, c'est un petit résumé, hein, tout ça. La chute du calcinateur. On dit que le corps d'Ifrit, le calcinateur, aurait été enseveli au volcan de Ravatog après sa défaite lors de la guerre divine. D'accord, c'est logique. Ce serait logique. Attendez que je voie un peu la guerre divine, d'accord. Ça s'est passé là-dedans, Solheim. La retraite de la Glacienne. Alors je rappelle que toute cette zone enneigée, c'est là où on est. Hein. Et je pense... oui, c'est là où on est. La retraite de la Glacienne. Après la guerre divine, Shiva la Glacienne se serait plongée dans un profond sommeil au cœur de la vallée de Gorobas, dans la région de Voyupe. D'accord. Disparition du Draconéen. L'endroit où Bahamut, le Draconéen, serait allé se reposer après la guerre divine demeure toujours inconnu. Ça, on l'avait tout ça, on l'avait compris. Le silence de l'Archéen. Au terme de la grande guerre des légendes, Titan l'Archéen se serait très probablement endormi au disque de Kotès, situé au centre de la région de Duskae. D'accord. Le dérobage du Fulguréen. C'est quoi ça? C'est dans les profondeurs de la grotte de Fossil. Ah putain, c'est Ramu, j'ai oublié Ramu. Bah c'était Ramu finalement, le sixième que j'ai oublié. S'endormir quand la guerre divine prit fin. Bon là, ça indique les lieux où ils sont allés et ce qui explique ce qui se sont passés après, en gros, après la guerre. Ils se sont mis dans un coin et se sont reposés, quoi. La torpeur de l'Hydrienne. Est vénérée à Alticia, la cité des eaux. C'est vraisemblablement là-bas, au fond de la mer, que l'Hydrienne sommeille depuis la fin de la guerre divine. Bon, jusque-là, on apprend vraiment pas grand-chose, hein. La fondation du Lucis. Il y a de cela environ 2000 ans, le dirigeant de la maison Kaelum s'appelait Somnus Lucis Kaelum. Il se vit confier par les dieux la garde du cristal et de l'anneau des Lucis, grâce auquel il fonda le royaume du Lucis. Durant les siècles qui suivirent, le royaume étendit son territoire malgré une épidémie mortelle due à un organisme parasitaire. D'accord. En cette année 722, c'est Mors Lucis Kaelum qui se trouve à la tête du royaume en tant que 112e souverain de la dynastie. Son successeur en puissance, le premier... Bien sûr. N'est nul autre que son fils, le jeune Régis Lucis Kaelum. Ça, c'est pas mal, ça, que ce soit un autre, que ce soit pas le roi Régis. Donc ça se trouve... Ouais, ça c'est stylé, j'aime beaucoup. L'île d'Angelgard, située au large de la baie de Galdina, est une île déserte considérée comme un sanctuaire interdit par les habitants du Lucis. D'après d'anciens documents, une abomination appelée Adagium aurait été enfermée au cœur même de cette île. Donc ça, c'est nous. Des recherches sont menées dans le but de vérifier cette théorie. Alors je pense que cette île d'Agadium, déjà on l'a croisée déjà dans l'histoire de base, c'est aux côtés de la baie de Galdina, je crois, si vous vous souvenez dans l'histoire de base, c'est là où s'est endormi Noctis, mais je pense que si on joue à la version multijoueur du jeu, on doit pouvoir y avoir accès. La fondation de Ténébrae. Suite à la naissance du royaume du Lucis, la maison Fleuret, de la lignée des oracles, fonda la nation de Ténébrae. D'accord. En 359, ah oui. Notre empire envahit et annexa Ténébrae,
mais par considération pour la vénération que vouait le monde entier aux oracles, il décida d'épargner et de préserver le palais Fenestala, domicile héréditaire de la maison Fleuret. D'accord. Il était en outre important d'un point de vue stratégique de maintenir en vie la lignée des oracles, qui était proche de la famille royale du Lucis. D'accord, bon, ça, rien de nouveau, rien de bien nouveau. Ça, on savait qu'il y avait une guerre entre les deux. Alors, la fondation d'Accordo. La fédération des villes libres d'Accordo s'est longtemps développée en tant qu'important centre de commerce et d'échange. En l'an 606, notre armée impériale envahit la fédération et parvint à l'annexer en sortant victorieuse d'une bataille qui l'opposait aux forces alliées d'Accordo et du Lucis. D'accord. Nous avons cependant laissé à Accordo une certaine autonomie du fait de profondes différences institutionnelles et culturelles, telles que le système de chambre des représentants et le culte de l'Hydréenne. D'accord. Ok, bon, ça c'est plutôt facile à comprendre. La fondation de Niflheim, ça c'est cool ça. La fondation du royaume du Lucis, un mouvement visant à rétablir l'antique civilisation de Solheim se créa dans la région du Eltham et ses environs. La maison Alderkapt, qui menait ce mouvement, finit par acquérir l'indépendance politique en fondant l'empire du Niflheim. Grâce à l'habile exploitation militaire du patrimoine magitech de la civilisation de Solheim, notre empire parvint à conquérir Tenebrae en l'an 359 et par la suite à annexer la Fédération des villes libres d'Accordo en l'an 606. En cette année 722, c'est sous le commandement de son éminence l'empereur Yedolas Alderkapt que nos laboratoires s'efforcent de créer de nouvelles armes alliant magitech et démons. Alors Yedolas Alderkapt, si vous vous souvenez, c'est le vieux roi de Niflheim, qui est l'ennemi tout simplement de Régis plus tard, et celui qu'on affronte étant transformé en monstre. La découverte de Solheim. C'est pas mal ça. Notamment au bois de Stelif et près des ruines de Pythios. Le bosquet des vestiges, au milieu duquel se dresse la tour de Kostelmark, est lié à ce genre de ruines, comme son nom l'indique. Des équipes de chercheurs mènent actuellement des fouilles archéologiques sur tous ces sites. Ce lieu qui m'a traumatisé plus d'une heure vingt de vidéos, si vous vous souvenez. Kostelmark, mais ce lieu de l'enfer où on a affronté un dragon. Ah bah c'est peut-être ce dragon dont d'ailleurs il parle peut-être. Bref, on s'en fout. La découverte du mal de la planète. C'est en l'an 501, lors d'une expédition dans la région du Loat, que l'armée impériale a découvert une nouvelle forme de vie communément désignée sous le nom de démon. Putain, on en a des choses à retenir. On a Vili. Oh putain, je crois que ça va être un épisode spécial Wikipédia là. C'est vraiment un épisode spécial Wikipédia, je trouve. Allez, on va lire ça. On finit tout ça et après on va s'arrêter là parce que clairement il y a trop de choses d'informations. Il faut qu'on s'arrête là. Hein. Sinon vous allez péter un plomb. Là je suis désolé. Hein. Analyse historique. Ce n'est que relativement récemment, il y a environ 2 siècles, que les démons ont été identifiés comme nouvelles formes de vie. D'accord. Cependant, à en croire d'anciens documents, les démons seraient la cause d'une épidémie qui menace la survie de l'espèce humaine depuis déjà maintenant plus de 2000 ans. Ça, on l'avait compris. Nous avons découvert que les démons sont en fait d'anciens humains ou animaux dont l'organisme a été radicalement modifié par un plasmodium mutant parasitaire. Ça, on l'avait compris. Ces créatures émettent des particules noires infectieuses qui se répandent dans l'air, causant ce que l'on a appelé le mal de la planète. Ça, on l'avait compris. Ça, c'est très clair. C'est bien, c'est qu'il répète. Démon qui a été fabriqué en versant du plâtre dans une cavité découverte dans les profondeurs du sol. Les démons se changent en miasme par sublimation lors de l'arrêt de leur fonction vitale. Ce spécimen a probablement péri après le durcissement de la boue qui le recouvrait. Ces créatures étant extrêmement photophobes, il n'est en effet pas rare de les voir s'enfouir dans le sol pour se protéger de la lumière. Ça, c'est intéressant, ça. Faut que j'aille là, mais on va finir ça. Activer l'appareil. Ouais. Pourquoi activer l'appareil? Ah, il y a des démons! Les démons ne supportent pas la lumière du soleil. Leurs activités se limitent donc généralement au milieu nocturne ou bien aux endroits sombres. Cependant, Adagium, lui, est différent. Bien qu'il soit un démon, il est capable de vivre sans encombre à la lumière du jour. Il est fort probable que ces tissus démoniques soient eux aussi endommagés par une exposition à la lumière, mais qu'ils se régénèrent à une vitesse empêchant toute dégradation normalement perceptible. Ça alors, cette lumière a les mêmes effets que le soleil. Je dois garder ma peau couverte autant que possible. Et c'est pour cette raison qu'il a beaucoup de vêtements. Ah, c'est stylé, mais c'est bien fait. Bon, écoutez, on a eu énormément d'informations, je suis désolé. Bon, j'espère que vous avez quand même appris beaucoup de choses. Moi, j'ai pris un kiff total, en tout cas, d'apprendre plein de choses. On va s'arrêter là pour cet épisode 2.
Je m'attendais pas à autant de choses, sincèrement, je m'attendais pas. On va se reposer, vous pouvez vous reposer et sauvegarder votre progression en interagissant avec le canapé du centre de recherche. On va se reposer, on l'a quand même bien mérité, on peut se le permettre. Je pense que je vais enchaîner direct avec l'épisode prochain. J'ai envie de savoir la suite, très clairement, je le dis, je suis à fond dedans. Voulez-vous sauvegarder? Oui. On va créer notre première sauvegarde. Centre de recherche Magitech. Bien, bon. J'espère que vous n'avez pas trop le crâne en ébullition. Auquel cas, ça peut se comprendre. Écoutez, je sais pas si j'aurai la force de tout répéter mais dans l'épisode prochain, mais voilà. En tout cas, c'était très intéressant de le faire. Bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir. Et je vous retrouve pour la prochaine fois. Allez, à plus tout le monde.